tout le monde, c'est Moon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup, on va découvrir le jeu My Earth. Bonjour, bienvenue à My Earth. Je suis Dan le palefrenier, je ne peux pas m'occuper de ce cheval tout seul. Touchez pour attirer son attention, si vous vous entendez bien, aidez-moi à lui donner un nom. Qu'il est mignon. Bienvenue sur Mario, Spotty vous apprécie. Je vais visiter les lieux. Touchez le bouton de l'appareil photo. Touchez le bouton pour prendre en photo Beauty. Oula, même quand je bouge. Spotty est superbe. Je vais maintenant vous montrer l'écurie. Prendre soin de Beauty. Votre journal vous aidera à prendre soin de Beauty. Chaque onglet contient des activités pour Beauty. Jetons un œil à l'onglet soins. Maintenant, Beauty satisfait est en bonne santé grâce à ses tâches. Commençons par l'entretien de l'écurie. Chaque tâche prend du temps, mais maintenant, Beauty est en bonne santé, choisissez une pour commencer. Essayez de vous entraîner pendant que j'achève cette tâche. Pourquoi ne pas commencer par le championnat de l'Open britannique? Faites participer Beauty à des compétitions pour gagner des prix. Entraînez-vous encore pour participer et gagner de bien meilleures compétitions. La barre de couleur vous montre à quel moment sauter. Touchez le bouton lorsque le marqueur est dans la zone bleue pour obtenir le meilleur résultat. Un de fait, mais bien d'autres à faire. Remplissez le cercle d'entraînement pour pouvoir participer à la compétition de Wii Spin Window. Mais avant tout, revenez à l'onglet soins. Maintenant que j'ai fini, que vous avez droit à votre récompense, touchez le bouton vert. Vous aurez également besoin de pièces, touchez l'onglet travail. Au boulot, ces tâches nous feront gagner des pièces. Commençons par une leçon d'équitation. Pas besoin d'attendre, raccourcissez la tâche en touchant à nouveau le bouton de leçon d'équitation. Vous pouvez acheter un raccourci pour une gemme. Ne vous inquiétez pas, je vous les redonnerai dès qu'on aura fini. Les raccourcis vous aident à terminer une tâche bien plus rapidement. Retournons maintenant au paddock. Vous savez désormais prendre soin de Beauty. Je vous donnerai des astuces tout au long du jeu. Prenez cette game gratuite et amusez-vous bien. Ouvrez des coffres, remportez des prix sympas. Vous pourriez trouver des friandises, de l'artillerie ou même un cheval. Souvenez-vous d'ouvrir gratuitement votre coffre quotidien. Il est temps de donner à manger à Beauty. Allez sur l'onglet activité du journal pour lui préparer quelque chose. Bon, voici votre journal. Vous y trouverez les mini-jeux et les onglets pour soigner Beauty, acheter la céleri, participer aux compétitions et plus encore. Choisissez une recette dans la liste et pesez les ingrédients. Mélangez ensuite la recette et donnez-le à votre cheval. D'accord. Qui va adorer ça. Bien joué. Vous savez, bon, utilisez cette recette pour améliorer la santé et la situation de Beauty. Ah, on a atteint le niveau 2. Il faut que Beauty soit en forme pour la compétition. Sélectionnez un soin dans le journal et revenez me voir plus tard. D'accord, donc là on a les défis. Là on a le journal. Choisissez l'enrichissement de Beauty et sélectionnez une tenue pour le paddock et pour la compétition. Ah oui, d'accord. Sélectionner la tenue d'équitation et entraîner pour le paddock. Ah oui, d'accord. Je peux vraiment me changer. Par exemple, je peux changer de cavalier. Il y a plusieurs types de cavaliers. Bon, on va laisser celui-là. Du coup, pareil, ici, on peut choisir un amour de Beauty, mais pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Et on a les tenues de compétition. Ok. Compétition. Faites participer Beauty à des compétitions pour remporter des prix. Entraînez-vous, plus vous participez à des compétitions, plus importantes. D'accord, ok. La santé et la satisfaction de votre cheval diminuent avec le temps. Je peux lui procurer des soins pour les maintenir à leur niveau, mais ça prend du temps, on est plus tard. Alors, on va commencer un truc de soins. Beauty gagne des pièces grâce aux tâches. Ces pièces vous permettront ensuite d'acheter la céleri et de payer les soins. N'oubliez pas de repasser lorsqu'elles sont terminées. Pour ça. Et du coup, ici, on a les objets. On a du coup les panoplies.
Donc là, on a les selleries, tout ça pour. Là, on peut modifier aussi la crinière du cheval. Ok. On va dessus, bouger peut-être. Je pense qu'on a tout vu au niveau d'ici. Pourquoi ne pas prendre une photo de votre. Utilise l'appareil du paddock. D'accord. Beau travail. Vous pouvez utiliser l'appareil pour prendre d'autres photos de votre. Niveau 3. Ah, bah, c'est atteint le niveau 3. Et temps d'entraîner Botti pour la compétition. Terminer les sessions d'entraînement sur une nouvelle compétition de journal. Bon, bah, ça. Donc, je suppose que c'est ici. Vous devez vous entraîner pour participer aux compétitions. L'entraînement demande de l'énergie. Si votre cheval est trop fatigué, reposez-vous et donnez-lui une friandise. Touchez le bouton bleu. Entraînement pour commencer. D'accord. L'entraînement vous permet de vous préparer pour la compétition. Touchez le bouton quand l'indicateur d'action passe dans. Ok, vous avez terminé une session d'entraînement. Beau travail, le titre de chevaux sera bientôt. Je crois que Botti mérite un peu d'attention. Ainsi qu'une friandise. Sélectionnez le jeu de traitement sur le prix d'activité du journal. Là, traitement. Donc là, le cheval est bien. Il y a d'autres chevaux aussi, je crois qu'on peut acheter de nouvelles races de chevaux. Là, c'est le premier. On va acheter ça par exemple. Là, du coup, on peut caresser le cheval aussi. Ça a redonné le moral à Botti. Les frondés sont une question banale, c'est ça, Botti. Botti est prêt à concourir. Vous pourriez y aller dès que l'entraînement sera terminé. D'accord. Ça, c'est bon. Et j'ai atteint le niveau 4 déjà. Si j'ai une tâche dans le journal, je sortirai aussi pour gagner des pièces. Et participer. On va essayer une compétition. Hop, c'est parti. Commencer. On fait notre première compétition. Une B2. À voir comment mon personnage va évoluer dans le jeu. Mais bon, on commence petit à petit. Vous obtenez des points bonus de cette situation de présentation. Les soins et les friandises au moins de satisfaction. Là, c'est les réjouis sur la présentation. Là, je dois pas avoir beaucoup de présentation. Excellent, vous avez terminé une compétition. Augmentez la situation et la présentation pour améliorer vos scores. D'accord. Ah, on a nettoyage du paddock ici. Le paddock est sale. Sélectionnez le jeu paddock sur les activités du journal. Bon bah vas-y. Lorsque je vous passe un râteau, touchez une herbe pour une fête, touchez le crottin. Et je clique dessus. Des fois ça bug, des fois on touche et puis on va attendre. Bien mieux, un paddock pro fait une partie intégrante des soins de Botti. Niveau 5 déjà, putain. Ça passe vite, dis donc. Faut acheter une meilleure sellerie au marché pour des meilleurs résultats en compétition. Trouver des bottes vertes pour aider Botti à impressionner le juge. Alors, boutique. Ok. Donc, on doit trouver. Sellerie, des bottes vertes, il m'a dit. Donc, ah, notre tâche est terminée. Petit impasse à sessionner le jeu pensa sur l'onglet activité. Jeu de pensage, donc c'est ici. Ah oui, d'accord, on doit enlever tous les petits crottins du cheval. On voit bien qu'il est sale de toute façon. Pas mal, la robe de Botti brille de mille feux. Voyons s'il y a d'autres écuries dans les parages. Invitez un ami à vous rejoindre. On fera plus tard. Mais du coup, on a un peu fini le tuto. Là, il ne nous restera plus qu'à débloquer, à nettoyer, etc. Pour l'instant, on a bien avancé. Donc là, on peut voir que j'ai d'autres entraînements à faire. On va essayer de faire un autre entraînement.
Donc voilà, je vais essayer de finir l'entraînement et on va essayer de participer à une autre compétition. Donc du coup, prenez une photo de Bottier avec appareil photo de la céleri. Ah, de la céleri. Donc j'ai fini l'entraînement aussi, il fallait qu'on fasse la compétition. On va commencer la nouvelle compétition. Quoi? Ah oui, il faut avoir 50 et 50, ok d'accord. On va faire ça. On peut participer à la compétition. C'est bon, on commence. Avec nos magnifiques bottes. Je pense que petit à petit la zone bleue va être de plus en plus petite, je pense, selon les compétitions. Beau travail, vous avez remporté une médaille. Votre oncle Hector a un nouveau poulain noir. Il vous le donnera quand vous aurez remporté 10 médailles en compétition. Gagnez-les dans les compétitions disponibles. Ah, on peut avoir un cheval gratuit, du coup. Le cheval d'oncle Hector. Ok, d'accord, je savais ça. On va pouvoir avoir un cheval gratuit après. Parce que du coup, on peut acheter les chevaux normalement. C'est ici que vous trouverez d'autres chevaux pour pas acheter. Ne vous en faites pas, vous garderez aussi Beauty. Donc on peut garder tous les chevaux qu'on a achetés. Donc là, on voit que Beauty, c'est un quarter. On a le quarter brun. On a le quarter brun foncé. On a le quarter blanc. On a le quarter brun clair. On a le pinto. Donc là, on peut changer pour changer ses tâches, on va dire, ses... Hop, on a juste appuyé ici, normalement ça change les tâches, petit à petit on peut avoir un cheval pied différent. Donc là mon but c'est d'avoir celui-là. Donc là on a le quarter doré. On a le quarter noir, mais celui-là on peut l'avoir graphiquement, c'est le cheval de l'oncle Hector. On a du coup la palosa, que pareil on peut changer ses tâches. On a le cheval moucheté gris. On a le zèbre. Et on a aussi dans le jeu des licornes. La licorne blanche. La licorne noire. Je suppose qu'il y a pas la licorne rose. La licorne rose. La licorne violette. Et la licorne arc-en-ciel, je suppose. Ouais. Donc voilà tous les chevaux du jeu. Je pense qu'on va s'arrêter là, je pense que j'ai découvert pas mal de trucs. Je vais essayer d'avancer dans le jeu et vous montrer après dans l'épisode 2 mon évolution dans le jeu. Surtout quand je pense que le deuxième épisode se concentrera sur le cheval de l'oncle Hector, donc on va essayer de l'avoir. J'essaierai de faire les compétitions et d'essayer d'avoir le cheval de l'oncle Hector. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bye bye tout le monde.